Qu'est-ce que tu fais là, toi? Et c'est quoi cet œil? Mon oncle. Je cherche mon oncle. Ton oncle? Flavio, c'est ton oncle, c'est ça? Oui, madame. Mademoiselle. Oui, mademoiselle, pardon. Zio Flavio, vous lui avez laissé un message? J'ai attendu à la gare, mais personne. J'avais son adresse et les 20 francs d'occasion. Du coup, j'ai pris le bus et j'ai... Ah ça, le Flavio, il va en entendre parler. Et par ce temps, en plus, est trempé comme une soupe avec ça. Allez, Zou, tu me suis. Va attraper la mort si tu restes douché comme ça. Car, voyez-vous, ce qui a toujours fasciné chez Pouchkine, comme première grande figure littéraire russe... Oh, vous allez encore penser que je le fais exprès. Excusez le retard, monsieur Douvalon, c'est Alain, mon tracassin du lundi. M'a encore tenu la jambe jusqu'à pas d'heure. Peut plus encadrer sa bourgeoise. Il en voit pas le bout, et moi... Enfin, moi non plus, du coup... Voilà une serviette. Le petit tracassin qui se détend sur le plancher, là, c'est client aussi? Ah non, ça, c'est le neveu de Flavio. Flavio? De la famille? Pas possible. Il est mignon, non? Ouais, en tout cas, plus que son oncle. Il est pas un peu jeune pour toi, non? Il est surtout trempé. Blanche, passe-moi la serviette. Et il a un nom, notre Moïse sauvé des eaux? Thank you.
Thank you.